Hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve dans un gros retour de course. Il y a principalement Intermarché et il y a un peu deux, trois choses de Lidl. Pour repère, on est deux adultes, cinq enfants, dont un bébé de 20 mois. Et on a à peu près pour 500 euros, 600, ça dépend, tous les 15 jours, donc ça va près 1100 euros. Pour tout. On a pour tout, lessive, ménage, couche culotte, boisson, souper, collation, entretien du corps, des cheveux, voilà, pour tout. Voilà, donc c'est pas uniquement pour manger, c'est pour tout. Donc voilà, principalement, je vais mettre cette chaise là sur le côté parce qu'elle est dormie. Principalement, c'est Intermarché, on ne fait que ça. Pourquoi? Parce qu'elle est super bonne marque. Deuxièmement, c'est moins cher. Et troisièmement, c'est des quantités qui sont beaucoup plus importantes chez eux que chez nous. Donc, dans l'ancien retour de course, vous m'avez dit que j'étais un peu trop rapide pour montrer les choses. Donc je vais essayer d'être un peu plus calme, un peu moins rapide pour vous les montrer. Je vais prendre plus de temps. Du coup, ça va prendre un peu plus de temps. Donc prenez un café, un latte macchiato, ce que vous voulez. Et donc voilà, la première chose que je vais... Alors il n'y a pas d'ordre, parce que ben, je sors tous des sacs comme ça. Donc je vous montre un peu ce que j'ai devant moi. Et puis ensuite, je reprendrai d'autres articles, donc on va se débrouiller. Donc la première chose, c'est que j'ai repris cette cagette de fraises. Je pense qu'elle était à 7 euros et quelque chose. Elles sont super bonnes. Alors, c'est des fraises... Oui, c'est marqué en plein de langues. C'est des fraises qui viennent de... Je ne sais pas du tout. C'est 2 kilos de fraises, ça vient d'Espagne. Donc voilà. C'est des fraises espagnoles, monsieur, madame. Voilà, ensuite j'ai repris pour les WC, j'adore cette odeur, vous le savez, j'adore Felice Azzurra. Donc j'ai pris celui-ci, vous décollez ici, vous décollez ça et en dessous vous avez le truc, ça sent hyper bon. J'en ai mis, et il fonctionne toujours, j'en ai mis le 14 mars quand on entrait dans la maison pour les travaux et tout ça, histoire que les WC sentent bon quand on, passait les journées ici aux travaux. Et franchement, honnêtement, il sent de la balle, mais de la balle le truc. Il y avait des petits packs comme ceci avec plusieurs petits colis donuts, muffins et autres à 4 euros. Ils ont fait des petits colis comme ça. Vous avez des donuts, vous avez des petits muffins, muffins chocolat, muffins nature, vous avez deux donuts et vous avez en dessous une petite tranche là de gâteau au chocolat. Donc voilà, c'était des petits packs anti-gaspi de l'Intermarché. C'était 4 euros et je me suis dit, bah, aujourd'hui, voilà, pour le petit goûter des enfants quand ils vont rentrer, pourquoi pas. J'ai repris, parce qu'à chaque fois on se retrouve aux anniversaires, ceux qui suivent, vous le voyez, à chaque fois on met une grande bougie, on met des broles. En fait, on oublie à chaque fois d'acheter la bougie avec l'âge de l'enfant. Donc cette fois-ci, le 30 mai, il y a l'anniversaire de Angelina, elle va avoir 7 ans. Donc j'étais devant, j'ai vu les bougies et je l'ai pris. Donc voilà, j'ai pris une petite bougie 7 ans. J'adore le côté un peu festif comme ça du truc. Et ça m'évitera quand même de l'oublier parce que j'ai cette tendance d'oubli. J'ai repris comme d'habitude 2 paquets de lardons. Je n'en ai qu'un, mais à la base, comme vous savez, je prends toujours 2 paquets de lardons parce que moi je mets ça dans une poêlée avec des pommes de terre et des légumes, dans des œufs aussi. Vous mettez ça ou dans des haricots verts, c'est très très bon. Et ça nous permet en fait de faire par exemple une potée avec des carottes et des lardons, des œufs avec des lardons dedans et un petit féculent et une salade. Mais ça vous permet tout de suite d'avoir un repas mais sans spécialement mettre de la viande dedans. Donc moi j'ai pris 2 comme ça, c'est la marque Top Budget de chez Intermarché. Et pour ceux qui ne consomment pas de lardons, il y a la version poulet. Mais voilà, moi je mange du porc, mais je sais qu'il y a des personnes qui ne mangent pas de porc. Ensuite, il y avait des pourcentages sur les danettes. Il y avait 30, c'était en promo pour les 8 danettes. Il y avait 30 cents dessus. Donc voilà, j'ai pris 8 danettes chocolat. Hop, et 8 danettes chocolat vanille. Donc il est marqué dessus. Hein. Oui, 30 cents. Et donc voilà, j'ai pris ça pour les enfants, puisque nous on commence les vacances scolaires en Belgique, donc je ne sais pas vous quelle zone vous faites partie, mais nous en Belgique c'est maintenant qu'elle commence, c'est le dernier jour d'école aujourd'hui des loulous, et donc j'ai pris un peu des choses un peu supplémentaires histoire que ben, ils puissent manger. Toujours pour l'anniversaire d'Angelina, j'ai trouvé ça pour mettre sur les gâteaux. Alors elle est très pyjamasque, très Avengers, très tout ce qui est un peu comme ça, super héros.
Donc voilà, je lui ai pris, vous voyez, il y a plusieurs petites choses. C'est des bougies aussi qu'on allume. Mais je me suis dit, en fait, il y avait les prénoms, mais le problème c'est que le prénom Angelina, il est peu répandu. Donc du coup, je ne l'ai pas trouvé. J'ai des enfants qui portent des prénoms qui sont un peu pas répandus du tout. Donc même dans les trucs de souvenirs, quand vous partez en vacances, on n'arrive pas à trouver. En fait, je pense qu'à part Zoé que j'arrive à trouver, les autres prénoms, j'arrive jamais à les trouver. Donc du coup, j'ai pris ça. Il y a un petit éclair, un petit ville, un petit masque de super-héros, un petit machin où il marquait super, et une petite figurine de super-héros. Je lui ai dit, pour mettre sur son gâteau, pour aller avec la bougie, ça peut toujours le faire. J'ai trouvé ces oikos là, c'est les nouveaux, c'est pour Bibi ça. Les enfants sont interdits de manger ça. En fait, j'ai trouvé ça, c'était aussi dans les bacs promo et nouveautés, etc. Et c'est oikos, mais beurre caramel salé. J'adore ça, moi. Je sais pas vous si vous aimez bien les oikos, mais en tout cas, c'est un peu cher les oikos, donc c'est ça que j'en prends plus énormément, parce qu'avant, ils en faisaient chez Lidl, maintenant ils en font plus chez Lidl, et j'avoue que quand même pour 4 yogourts, c'est pas donné, mais bon voilà, je me suis dit, je vais goûter une fois les beurre comme ça, caramel salé, ça peut être très très bon. J'ai repris du savon pour les mains de la marque Ecovert, donc voilà. C'est Ecovert, c'est une marque bio, c'est à la lavande et à l'aloe vera. Et en fait, c'est pour recharger. Si vous voulez, moi j'ai un distributeur de savon ici que je recharge manuellement. Et donc, ça, vous pouvez recharger manuellement. Et donc, c'est un litre en fait. Et alors, moi avec ça, je vais recharger assez longtemps. Et en fait, c'est un distributeur que j'avais acheté chez Lidl, que j'ai mis dans la cuisine pour que je reprenne. Et donc, vous passez simplement votre main, tout ce qui est juste génial quand vos enfants ont les mains toutes sales. Ensuite, j'ai repris, de ça, c'est de la boisson que je vous montrerai après. Au niveau gel douche, shampoing familial très doux, j'ai pris celui-ci au pamplemousse de la marque Labelle pour les enfants. Donc voilà, je me suis dit, bah, ça peut être fun. C'est l'été, ça doit sentir bon. Ouais, ça sent super bon le truc. Cheveux normaux à gras. Prifi, apporte légèreté et vitalité. Usage fréquent, pH doux. Shampoing familial. Donc voilà, je me suis dit, c'est la sélection mousquetaire. Donc c'est la marque Labelle de l'Intermarché. C'est un gros flacon. Donc je pense que les enfants auront suffisamment. Ensuite, je me suis repris deux pots de fromage blanc comme ceci, nature. Donc vous savez, moi je mange ça, c'est A, évidemment. Donc c'est 0% matière grasse. Moi je mets du granola dedans le matin avec un peu de miel. Et ça fait un bon petit déjeuner. Donc j'ai pris, voilà, j'ai pris deux packs. C'est du lait français, mais évidemment c'est normal puisque Intermarché est français. Mais on a la chance d'en avoir un en Belgique, donc autant l'utiliser. Et donc voilà, c'est de la marque Pâturage, de la marque de chez eux. Ensuite, j'ai repris un petit bidon de Heinz Ketchup Tomate, comme ceci. J'ai repris un petit parce que c'est pour manger avec des repas plutôt frites et tout ça. Donc c'est pas pour maintenant. J'ai repris la sauce Hannibal, voilà, de la baraque à frites. Ça, vous le savez, je pense, si vous me suivez, que Zoé mange des tartines le midi, même si on dit que c'est la sale bouffe de manger des tartines à midi. Mais bon, voilà, mes enfants mangent des tartines à midi ou des hamburgers, des dagobert. Mais donc voilà, moi, Zoé, elle adore cette sauce Hannibal là. On en a encore au frigo, mais bon, quand je vais chez Intermarché, j'en reprends parce qu'il y a là que j'en retrouve. En parlant des enfants, j'ai acheté, c'est déjà bien coupé le truc, j'ai acheté des petits comme ceci, oui, c'est pour mettre dans la serre et mettre le nom des légumes que vous avez plantés dans la serre ou dans le jardin, mais nous pour le moment ils sont en serre. Mais je me suis dit que ça serait chouette pour Valentino de pouvoir, il y a le petit papier que vous collez, il y a le petit truc que vous venez planter et il écrit en fait avec un marqueur ce qu'il a mis comme, comme plantation. Et du coup, ben, comme ça on s'y retrouve un petit peu parce que pour le moment c'est un petit peu le bordel. C'est un petit peu le bordel. Donc voilà, ensuite j'ai repris 6 œufs parce qu'il m'en reste encore dans le frigo. Donc j'ai repris 6 œufs parce que j'ai pas encore fait de tortilla. Donc voilà, ce sont des poules qui sont élevées au sol. Ça vient ça vient d'ici, de Belgique. Et voilà, elles ont été élevées au sol. C'est catégorie L. Je ne m'y connais pas trop en œufs. Donc voilà. Mais elles ont été conduites en Belgique. Et c'est des petites poules qui étaient élevées au sol. Donc elles ne sont pas enfermées dans une batterie. J'ai repris deux packs de sandwich mou, de la marque aussi, là-bas c'est 90 cents, et il y en a 10 en fait, donc voilà, il y a 10 en studio. Moi les sandwich mou comme ça, honnêtement, je les congèle, et je les ressors quand les enfants, alors il est ouvert parce que Alessandro avait faim, et je lui ai donné un morceau.
dans le magasin, je lui ai donné un petit morceau parce qu'il avait faim, donc personne ne m'a rien dit. Mais voilà, voilà. J'ai repris un peu de truc à bulles comme ça pour Angelina. Pour patrouille. Patrouille. C'est, vous connaissez tout, je suppose. J'ai repris de la marque Felice Azzurra. Vous connaissez hein, ma passion pour cette marque-là. C'est un nettoyant intime, donc hein, pour la petite prune. Donc voilà, moi j'utilise ça tous les jours parce que voilà, j'ai certains invites, certains soucis, ça doit qu'un l'ondulat dedans. Et c'est italien, cette marque-là, mais elle est juste topissime. Et franchement, j'arrive au bout de la première bouteille et pas de soucis. J'ai repris deux paquets de Belly et là aussi, le petit, il avait faim. Il a grillé en fait. Donc ça l'a tenu calme en plus. Donc j'ai repris un version chocolat comme ça de la marque Nestlé. C'est assez friable. Fer, calcium et 4 vitamines. Il y a 34 petits biscuits. C'est entre 12 et 36 mois. Donc voilà. Moi, il a 20 mois. Donc je lui ai pris ceux-là avec des petites pépites de chocolat. C'est du tout petit biscuit. Je vais vous montrer l'autre qui est ouvert. Et l'autre, c'est des Nestlé, mais c'est des baby snacks. Il a vraiment bien aimé à la carotte. Et c'est la même chose. Hein. C'est source de fibres et il n'y a pas de sel. Donc c'est sans sel ajouté. Donc ça veut dire qu'à part le sel que vous avez dans votre légume. Et voilà, vous avez des petits snacks comme ceci. Donc voilà, et il a bien aimé, j'en ai donné dans la voiture. Et il a super bien aimé, j'ai repris des petits démaquillants de la marque Label. Ça j'en utilise 2-3 le soir pour faire me démaquiller à l'eau micellaire et faire toute la partie ici de mon nez, mon menton, etc. avec l'eau précieuse pour éviter d'avoir des petits boutons. Parce que, enfin, j'en ai pas beaucoup, mais bon, ça peut arriver. Ensuite, j'ai repris de nouveau du riz. Toujours la marque Top Budget, j'ai repris 1 kg de riz, j'en ai encore à un fond, je crois que j'en ai encore pour faire un repas, mais bon on en mange au moins une fois par semaine du riz, donc voilà, je prends le long grain, c'est des riz très longs, il n'est pas mauvais, il fait le job du riz, on va dire, donc voilà, j'ai repris des petits chocolats comme ceci, les dupes de Kinder, les petits Prots, voilà, c'est de nouveau la marque, voilà, c'est de nouveau la marque de chez Intermarché. Voilà, il y en a 16 à l'intérieur. Et c'est le dupe de Kinder. Mais en beaucoup moins cher, bien évidemment. Les travaux en haut. J'ai repris, je suis désolée, on est dans une maison à travaux et je pense qu'on fait des. Donc on commence les rainures en haut, mais je sais pas faire autrement. Ça va D'ailleurs, la preuve qu'on fait les travaux en haut, c'est que Misty Gris ici, elle est en dessous. Comment tu vas, Praline? Donc voilà, elle va très bien, elle sort, elle est contente. J'ai repris 3 packs de Babybel. Alors, pour vous finir, parce qu'il adore ça, mais son parrain, donc mon frère, adore ça aussi. Et je dois dire que mon frère, quand il arrive à la maison, la première chose qu'on fait les travaux, la première chose qu'il fait, c'est d'ouvrir mon frigo et aller chercher des Babybel. Oh, Babybel, ma soeur, hein? Oui, je t'en prie. Donc voilà, donc j'ai repris des Babybel, tout simple. Alors, il y en a 6 à l'intérieur. Donc voilà. J'en ai pris 3 pochons. Je trouvais ça pas mal du tout. J'ai repris de l'eau de Javel à la lavande pour faire demain, déjà pour nettoyer demain l'ancienne maison pour qu'elle sente bon, qu'elle soit propre, qu'elle soit bien désinfectée pour rentrer les clés. Mais j'utiliserai ici aussi pour les WC, pour le sol et pourquoi pas d'or pour tout ce qui est verdure et tout ça un petit peu. Ça peut faire son job. Ça peut faire son job. Je vais le mettre par terre, c'est un gros bidon. J'ai pris un petit jouet pour Alessandro, enfin j'en ai pris deux, mais le deuxième il joue avec, donc je sais pas où il est. Il est rentré vers sa sieste, donc voilà. En tout cas voilà, j'ai pris un petit pistolet, c'est 7€ quelque chose. Je lui ai pris un petit pistolet avec des fléchettes. Voilà. C'est dans le rayon bébé chez Intermarché. Donc voilà, on lui a pris ça, enfin c'est lui qui s'est pris ça, il a choisi lui-même. Toujours de la marque Felice Azzurra. J'ai pris cette fois-ci, j'ai pas encore testé ça par contre, l'hydratalc, donc ça absorbe sans alcool, c'est un déodorant, donc voilà, et on verra, formule invisible, efficace, no alcool, en fait, formule hydratalc, hydrate et absorbe avec de l'aloe vera, pas de tache, pas d'alcool, efficace 48 heures, enfin on se lave quand même, 48 heures, testé dermatologiquement. Donc voilà, c'est toujours la même marque, hein, Felice Azzurra. J'ai mes cheveux qui sont hyper ternes, je vous l'ai dit en vlog. Je déteste mes cheveux, d'ailleurs j'ai pris une autre couleur, elle est là quelque part. J'ai pris l'intense thérapie de la marque Gliss Cure.
champagne repère donc l'Iskur Schwarzkopf en fait. Et du coup, ça reconstruit en fait les cheveux. Moi, mes cheveux, ils sont hyper abîmés entre les colos, le maltraitage que je leur fais et les poussières ici et tout ça, c'est une horreur. Bon, voilà, j'ai pris celui-ci. Il est marqué ici que c'est repère. On verra. Voilà, je testerai. Je testerai. Il y a 250 ml dedans. Reconstitue les liaisons de la fibre capillaire, protection longue durée, jusqu'à 24 lavages en combinaison avec le RC ou le traitement. J'ai pris de l'escure. Ensuite, pour les garçons, j'ai pris la belle Men, comme ceci. J'ai la douche sensitive, 3 en 1, corps, cheveux et visage. Donc voilà, ça c'est pour les deux ados. On verra s'ils aiment bien ou pas. C'est 250 ml aussi. Donc voilà. Il est tout transparent. Je trouve en plus que le modèle était très beau. J'ai repris pour moi, comme d'habitude, le Tahiti. Je prends le Felice Azura que j'ai pris aussi, mais j'ai pris celui-là. Donc voilà, j'ai pris un tout simple Tahiti Coco 300 ml. Donc voilà. J'aime encore bien celui-là, mais j'ai pris quand même le Felice Azura à l'huile d'argan. Donc voilà. Mais évidemment, ils sont un peu plus chers, mais ils sont super bons. Et franchement, c'est nickel pour la peau. Franchement, cette marque-là, moi, je la surkiffe. J'ai repris du dentifrice pour les enfants, protection carie, comme ceci, de la marque Labelle. Donc voilà, il y a 75 ml dedans. Protection carie, aide à lutter contre les premiers signes visibles des caries, renforce l'émail. Donc voilà, j'ai pris ça pour les loulous. Ensuite, j'ai pris des petits biscuits Dinosaurus. C'est les vacances scolaires, donc je me suis dit, voilà, il y a 4 petits paquets, c'est au goût de chocolat au lait. Non, c'est des petits paquets visiblement comme ça. Et en fait, vous avez des petits biscuits dedans. Et c'est des biscuits aux céréales formés sous fourrés saveur chocolat au lait. Donc voilà. Je me suis dit, vacances scolaires, autant faire ça. Ensuite, j'ai pris deux sauces avec 25% de viande dedans bolognaise de la marque Manamana. Tout le monde connaît cette pub. Hein. Donc voilà, vous pouvez faire avec plusieurs choses. Vous conservez au frigo. Vous pouvez faire avec pâte, du riz, des œufs, des plats au four, des pizzas, des lasagnes. Donc vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. C'est 720 grammes dedans. Et moi j'en ai pris 2 pots. Donc voilà, c'est une marque que moi j'ai déjà utilisée. Hein. Je la connais bien cette marque. Donc voilà, voilà. Ensuite, j'ai un peu de viande. J'ai de la viande dans les autres trucs, mais je vois que j'ai ici un peu de viande. Donc j'ai repris des chipolatas. J'ai repris 3 paquets parce que moi il me faut bien ça pour le souper. J'ai repris des chipolatas. Voilà. Des chipolatas, saucisses chipolata. Il y en a 4. Et donc c'est 4,28€ pour 290 grammes. Donc voilà. Ici aussi. Ici il y en a 5. Ah oui. Il y en a 5. Dans celui-ci, 4,19€. Et dans celui-ci, il y en a 1, 2, 3, il y en a presque 6. Ah non, il y en a 5. Il y en a 5, 4,58€. Il y en a 5, mais bon, moi, il faut pas mal pour faire ça. Ensuite, hop, j'ai repris le Viadel et je me suis rendu compte qu'il a fait mal vécu son passage au Viadel. Viandel, où il y a des viandelles. Je vais essayer de retourner sans faire tomber les viandelles. Croquant Viadel, il y a 7. Dedans, c'est surgelé, c'est de la viande. Je sais pas s'il est marqué dedans. Il y a des légumes séchés dedans, du poulet. Donc voilà, c'est des petits trucs que vous cuisez vite fait, bien fait, l'air fryer. Friteuse, c'est fait. Le deuxième paquet de lardons, comme je vous ai expliqué, je consomme beaucoup de lardons. Alors là, il y avait 2 paquets emballés ensemble. C'était une promo magistrale. Format familial, 2 fois 250 grammes, c'est le jambon cuit, il y a 6 tranches, donc ça fait 12 tranches de jambon. J'ai repris un gros paquet de 1 kg, voilà, 1 kg de macaroni, ça fait 2 repas avec 1 kg de macaroni, je fais à peu près 2 repas, 8 minutes de cuisson, donc voilà, c'est la marque Padana. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris de la lessive au savon de Marseille, hydrosoluble. C'est des petites capsules
du savon de Marseille dedans, en fait. Et c'est de la lessive traditionnelle. Il y a pour 30 lavages. Donc, voilà. Il y a pour 30 lavages. 30. J'ai bien dit 30. Il y avait un homme qui cherche quelque chose. Il va me dire quoi? Un téléphone, une cigarette. Les cigarettes, je les ai, mais le téléphone, je ne l'ai pas. C'est pas mon téléphone? Je pense que je les ai mis. J'adore dans cette maison. Ça, c'est pas Kevin. Là! Ça, c'est pas Kevin. T'en ouvres un ici, là, ou ouais. Pas? Oui. Tout près du bac vert. Donc voilà, il y avait une promo. C'était. Hop, soyons clairs. Hein. 2 kilos d'oignons. Voilà, ce sont des oignons normaux. Oignons, il n'y a pas, enfin, qui viennent de Belgique d'ailleurs. Donc, il y a 2 kilos d'oignons. Il y a, je ne sais pas combien, de carottes. Il y a 2 kilos de carottes. Donc, voilà. Hop, carottes d'origine belge aussi. Et 5 kilos de pommes de terre. Voilà. Et les 3 paquets, c'était la promo du moment. Les 3 paquets, c'était 10 euros pour les 3. Donc, comment vous dire qu'on a sauté sur la promo parce que, avec le nombre de personnes qu'on est, on va toujours sur les promos. J'ai pris 2 pains comme ceci, tout mou. Voilà. Ça, c'est pour, c'est des pains de mie. Moelleux, chabrior. C'est pour faire du croque-monsieur. Ben oui. Soyons clairs. C'est, ouais. Voilà. C'est pour faire des croque-monsieur. Il faudra bien les 2 pains parce que, ben, on est quand même nombreux. Pour l'anniversaire d'Angelina, j'ai pas une fille comme les autres, alors c'est un de ses cadeaux, c'est pas le cadeau réel. Hein. Elle aura, je ne sais pas encore quoi, on n'a pas encore décidé. Je ne sais pas ce qu'elle aura pour son anniversaire, on hésite encore, je vous dirai quoi, de toute façon vous verrez. On lui a pris le coffret Avengers, alors oui, c'est pour garçon à la base. Et quand je l'ai vu, ma fille, elle adore tout ce qui est. Alors moi, j'aime pas de gendrée, donc si elle aime bien, elle aime bien. Il y a le gel douche, il y a un petit porte-clés qu'elle pourra mettre, qu'elle pourra attacher à sa tribune ou qu'elle pourra attacher à son sac d'école. Parce qu'elle veut avec. Et il y a un petit eau de toilette. Donc voilà. C'est pour son anniversaire, ça. Alors honnêtement, je vais mettre là comme ça, elle ne le verra pas. Je ne sais pas si elle va. Je ne sais pas quel goût ça a. Mais voilà. Pour l'anniversaire de la petite choupette, on verra. Alors j'ai repris ceci. Je ne connaissais pas. Action biologique. Bouteille en plastique 100% recyclable avec section de la gâchette. Ok, d'accord. Pourquoi? Pour le linge blanc et de couleur. Détachant pour linge. Voilà. De la marque SC Johnson's. Donc voilà, c'est un anti-tache sur votre vêtement, je suppose. Et donc je vais essayer pour. Alors passons au Metsura à moi, mais sur les t-shirts qui viennent de Chine, en fait. Je me suis rendu compte que tous les t-shirts qui viennent de Chine, je me lave, je mets du déo tous les jours, etc. Mais vous transpirez, c'est normal. Et en fait, vous le sortez de la machine, il sent très bon. Et puis quand vous le remettez, vous chauffez un peu le textile en bougeant simplement. Et ça ressent la transpiration. Je vais essayer de mettre ça. Si vous avez d'autres astuces, je suis preneuse. Mais on va faire un petit tchic comme ça, et puis on verra. Je vous parlais de ma colo tout à l'heure, donc la marque Label, qu'il a pris châtain clair. Donc voilà. Je vais remettre ça, en plus c'est couleur naturelle, longue durée, texture, ne coule pas. C'est crémeux, et ça couvre les cheveux blancs. C'est mon but. C'est intense. Et alors, dedans, il y a du lait de figue. Donc mes cheveux sont hyper abîmés. Je me dis peut-être qu'avec un peu de chance, on a repris, je crois que c'est... Une dizaine de paquets comme ça, de berlingots CCML. Angelina et le petit crapaud, là, ils boivent ça souvent. Ensuite, je pars de plus en plus loin. Je vous dirais que j'ai tout mis sur la table. On a pris 2 packs de Dr Pepper comme ça. Ça, honnêtement, c'est pour moi le Grand Barbie. Le Grand Barbie, c'est pris du pied de bœuf. C'est de la bière de table sans alcool. L'alcool est nocif. Donc, nous, il ne fait pas d'alcool. Mais tant pis. Mais là, il n'y a pas d'alcool dedans, c'est du pied de bœuf. Voilà, c'est une bière brune. Et on la conseille aux femmes allaitantes parce qu'il paraît que ça fait monter le lait plus vite. Quand je n'allaite pas, je ne saurais pas vous dire. J'ai repris de Head & Shoulders. Voilà. Le classique, basique, pour le grand barbu. C'est lui, il adore ça. C'est son truc préféré. J'ai repris du Paquito citron pressé. Vous le savez, les enfants adorent la citronate. Alors oui, c'est du E, hein, c'est merdique. Hein. Vous dites-vous que c'est pas... La citronate hein, que vous faites vous chez vous, c'est du citron, c'est un peu industriel le truc, mais bon, voilà. C'est pas mauvais, vous avouez que c'est pas mauvais. Toujours dans la marque Paquito, j'ai pris 2 bouteilles comme celle-ci, de jus d'orange Paquito. C'est du C, c'est un peu meilleur, mais c'est
voilà, sans sucre ajouté. Alors c'est pas autant meilleur que si vous le faites vous-même. Je vais vous dire que moi j'ai pas le temps de le faire moi-même, donc voilà. J'ai repris trois petits élastiques comme ça, bilis, pour, enfin c'est des chouchous, un rose, un gris et un noir pour Zoé, parce qu'elle a des très longs cheveux. Et je peux vous dire que c'est un peu le bordel. J'ai repris d'Alpro soja, hop, hop. J'ai pris la blinde hein, d'Alpro soja. Je vous avouerai que hop, hop et hop. Alors on a repris d'Alpro soja vanille. On en est repris deux, je pense, oui. On a repris deux Alpro soja vanille, deux comme ceci. C'est, ça, c'est Alessandro du Renin Cadjou. C'est Alessandro qui aime bien ça. C'est du lait végétal de riz, direction des tropiques, d'un marque Alpro Coconut. C'est du lait de riz plus qu'autre chose. Et je pense que c'est du lait de riz. Hein. C'est pas du lait végétal comme l'autre. Ça, c'est du lait de riz. Les grands, ils aiment pas trop. Source de calcium, de vitamines, voilà, à base de lait de coco, du riz et du calcium. Donc, j'ai pris deux bouteilles comme ceci de lait de coco pour Sandro, parce que Sandro, il adore ça. Je lui mets moitié lait, enfin, trois quarts lait de croissance et le restant de lait de riz, il aime bien. J'ai pris deux basiques chocolat. Bon, c'est celui-là. Deux basiques comme ça, chocolat pour les petits déjeuners. Deux basiques vanille, enfin banane pour les petits déjeuners et un comme ceci chocolat amande pour les petits déjeuners aussi. Exceptionnellement, j'ai repris quatre grosses bouteilles de Fanta. On n'en prend jamais, mais bon, c'est des vacances. Exotique, arôme naturel. C'est la marque Fanta qui fait ça. On en a repris quatre. Hop, on va se tourner par là comme ça. Vous continuerez à me voir. Alors, on le suit, vous ne me demandez pas pourquoi. Le deuxième paquet, Le deuxième Dr Pepper. Alors, ensuite, j'ai repris le papier cul, le Cosinel, la propreté en toute confiance, trois épaisseurs, encore plus doux, ouverture facile. Il y a 9 rouleaux dedans. Donc voilà, c'est la marque Cosinel. Je ne connais pas du tout la marque-là, mais. Je me suis dit que ça serait pas mal. Ensuite, j'ai repris deux packs de cristallines comme ceci, des petites bouteilles d'eau recyclables que vous écrasez facilement, qui vont dans le sac bio, pas dans le sac PLC. Et puis en plus de ça, vous avez les petits bouchons, les nouveaux bouchons clic-clac là, voilà, qui restent accrochés à la bouteille. Et ça, c'est pour les enfants, pour aller à l'école. Alors, même si pour le moment, ils vont pas à l'école, mais j'aime bien en avoir d'avant. Ça, je vous ai montré. J'ai repris trois. Absorbant résistant comme ceci, 80% de c'est de l'essuie-tout en fait, hein, voilà. Faudrait d'ailleurs que j'ai chez Action m'acheter le dérouleur. On a pris deux, alors je ne sais pas si, je crois qu'il a pris deux fois les mêmes, hein, biscuits. Ah non, il a pris céréales et biscuits. Donc on a pris un comme ça de la marque Nestlé, c'est du lait de croissance pour les bébés. Et ici c'est biscuit, c'est de 1 an à 3 ans. Délicieux, sans sucre ajouté. Et honnêtement, il a bien petit. Et c'est 6 fois 1 litre. Donc voilà. Donc moi, je lui mets ça. Et comme je vous l'ai dit, je lui mets un peu de lait de riz. Ça donne un petit goût supplémentaire. Et ça peut aider. Et le deuxième, c'est celui-ci. Et celui-ci, c'est pas le même goût. C'est aux céréales, celui-ci. C'est de 1 an à 6 ans. Et puis de 1 an à 3 ans. Et c'est de la marque Nestlé. Il y a 6 bouteilles d'un litre. Et je crois que ça doit être 12 euros le pack, il me semble. Un truc comme ça. Le grand barbu cherche quelque chose encore. On vient d'emménager une semaine, donc on cherche toujours tout ici en fait. Ensuite, la boisson du diable. On a repris un kit comme ça de coca sucré. Deux coca sucré. Deux coca sans sucre. Deux packs comme ceci, donc 12 bouteilles de lait pour nous. Alors ensuite, je vous montrerai chez Isabelle après parce que sinon. On va se mélanger. J'ai repris trois flammes cuches. Ça, le grand barbu, il kiffe. Les flammes cuches. J'ai repris ceci. Elles étaient en promo. C'était des grandes pizzas rectangulaires. Donc voilà, j'en ai pris quatre. J'ai pris jambon Hawaii comme ça pour aujourd'hui soir. Chorizo. Je ne sais pas si vous avez vu le chorizo. Voilà. C'est une grande taille hein, parce qu'on vous dit toujours que je suis un peu rapide. Donc voilà. 930 grammes qu'elle fait.
Cuire au four 10 à 12 minutes. Donc voilà, c'est pizza chorizo. Donc voilà. Et l'autre, c'est la même chose, mais c'est pizza Hawaii. Avec des hamahamas, c'est des morceaux de jambon dedans. Elle fait 1000 grammes, ne me demandez pas. Ensuite, la troisième, c'est pizza margherita. Elle fait 1000 grammes aussi. Voilà. Et la dernière, c'est pizza jambon fromage qui fait 1000 grammes aussi. Vous voyez, il y a de belles tranches de jambon dessus. Elles sont bien grandes. Donc pour le souper de ce soir, pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, j'ai un fan d'Oreo ici à la maison et j'ai trouvé ceci. Voilà, des Oreos enrobés de chocolat. Donc il y a 6 petits paquets. Et c'est des Oreos normaux, voilà, basiques. Et dessus, il y a un petit truc de chocolat. Je ne saurais pas vous le montrer parce que c'est vraiment dans un paquet. C'est des petits paquets comme ceci. C'est pas pour aller à l'école. Même si là, c'est pas pour aller à l'école, c'est pour les vacances. Mais je pourrais leur en reprendre pour aller à l'école. Parce que nous, on essaye toujours, que ce soit moi ou ma maman qui prend les collations, on essaie toujours d'avoir des paquets comme ça. C'est plus hygiénique. Et franchement, c'est mieux. J'ai repris. Après, je vais aller chercher un autre sac. Et un petit truc comme ça pour le bain. Pour aller Sandro. Parce qu'en fait, Sandro, il hurle dans son bain. Donc, c'est des pots encastrables pour mettre dans son bain avec des petits couvercles et tout ça. J'espère qu'il va apprécier. Vous avez les petits pots comme ceci. Vous pouvez les encastrer l'un dans l'autre, comme ça. Voilà. Vous avez les couvercles. Donc, il peut passer son temps à remettre les couvercles sur les pots. Écoutez, c'est un peu cher, hein, parce qu'il n'y a rien à faire. Hein, c'est jouer bébé, là, c'est toujours un peu cher. Mais voilà, il a les petits pots et les petits trucs comme ça. J'espère que ça va l'aider et qu'il va aimer prendre son bain. Parce que pour le moment, je vous dirais qu'il déteste prendre son bain. Donc quand je dis déteste, il déteste. Alors l'ancienne maison, ça allait. Alors ici, il hurle. Maintenant, c'est une grosse cabine de douche. Donc c'est très impressionnant, je me doute, pour lui. Donc voilà, c'est de la marque Nobby. C'est à partir de 3 mois. Je dois avoir payé ça 7-8 euros. Et voilà. Donc écoutez, on essayera. On verra s'il aime ou s'il n'aime pas. J'essaie de trouver des solutions, mais je peux vous dire que parfois je n'en trouve pas. Bon, je change de sac. Bon, je reprends pour le deuxième sac. Alors du coup, j'ai repris des frites comme ceci. Elles vont au congélateur parce que les pauvres, elles n'apprécient pas d'être dehors. J'ai pris un sachet, je pense, de frites fries comme ceci pour changer une fois. J'ai pris des poros à la crème comme ceci. Alors c'est 750 grammes de poros à la crème. C'est riche en fibres, c'est émincé, donc c'est vraiment tout léger. Et en fait, c'est pour 3 à 4 personnes. Voilà, c'est la marque Saint-Éloi. C'est une marque assez connue. Hein. De tour la marque Saint-Éloi, j'ai repris des épinards à la crème. Sans conservateur, crème française. Fruits et légumes de France. C'est à peu près 7 minutes 30 à 4 minutes 30, ça dépend comment vous les cuisez. Ils sont hachés, c'est la Saint-Éloi, il y a un frigo. Ensuite, j'ai repris ceci, les enfants avaient bien aimé, que macaroni. Donc, c'est des légumes ratatouille. Il y a tomates, courgettes, aubergines, oignons, poivrons verts et poivrons rouges. Et donc, voilà, c'est conditionné, ce sera 1 kg aussi. Donc, voilà, voilà. Ensuite, toujours et toujours et toujours, j'ai repris ceci. C'est des boulettes sauce tomates faites par Traiteur. Boulette sauce provençale, je pense qu'il y a 1 kg. Oui, 1 kg. Voilà. J'ai pris 1 kg de coquillettes. Voilà. Je prends par kilo, ça va plus vite. J'ai repris la même chose, mais en sauce liégeoise, comme ceci. Donc, c'est une chose un peu sucrée, la sauce liégeoise. Il y a du sirop de liège dedans. Enfin, voilà. C'est un peu plus sucré qu'autre chose. J'ai repris un mix comme ceci. Le mix oven refrayer que j'avais pris l'autre fois. Je fais ça avec les viandelles et c'est nickel. Il y a dedans deux fricadelles, deux poulets croques et deux ripcorn, donc deux poulets panés dedans. Et alors c'est spécial refrayer ou four, comme vous voulez. Et donc du coup ça fonctionne hyper bien et franchement on a bien aimé. Ensuite j'ai repris 500 grammes de macaroni. Voilà, j'ai repris de nouveau un petit berlingot de sauce béchamel parce que ça franchement elle est excellente, c'est la sauce béchamel prête à l'emploi, de la marque Pâturage et il y a 50 centilitres dedans,
Donc voilà, moi j'en mets par-dessus certaines choses. Et franchement, c'est topissime. J'ai repris des saucisses comme ceci. Il y avait une promo. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 saucisses. C'est de la saucisse au fromage. J'ai jamais goûté, on goûterait une fois. J'ai repris aussi des aromatisés pommes potatoes aromatisés au paprika. Ça, c'est loin. À l'huile de tournesol. Et voilà, ça à cuire en friteuse ou au four. C'est vous qui voyez, il y a 600 grammes. Donc voilà, j'ai repris un petit pot comme ceci, un petit tube de sauce tomate avec dedans sans colorant, ça c'est cuisiné aux petits légumes. Il y a carotte, tomate et oignon dedans, c'est un format pratique. Voilà, c'est un petit format comme ceci, c'est assez pratique. Voilà, vous mettez ça dans un légume, dans une sauce, vous voyez un petit peu comment vous voulez le cuisiner. Mais c'est pas mal. J'ai repris deux paquets. C'est un promo de cordon bleu. Donc voilà, de la viande de cordon bleu comme ceci. C'est 542 grammes à peu près. Donc c'est à peu près 1 kg pour les deux barquettes. Donc ça fait à peu près 9 euros pour le kilo. C'est cher le poulet, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. On a repris ça. Comment vous dire qu'ils sont fous de ça. Chez moi, c'est dégueulasse. C'est sucré. Enfin, c'est très bon en goût, mais je veux dire pour la santé. Dégueu. Mais bon voilà, c'est du lait concentré sucré. Voilà, vous pouvez en mettre aussi dans les gâteaux, etc. Mais moi j'avoue que mon fils il les mange comme ça. Le plus grand, hein. Le plus grand il les mange comme ça. J'ai repris du soin complet pour moi. Action anti-tarte, anti-plaque, protection complète au quotidien. Aide à protéger contre les caries et à renforcer les mains et les dents. Favorise la protection des gencives. Donc voilà, c'est de la marque Labelle. C'est un petit dentifrice. 75 ml. Donc voilà, c'est un peu le même style que ceux des enfants, mais évidemment ici c'est pour adultes, donc c'est un goût un peu plus. Gliscure, pour moi ça, deux en un, c'est un masque régénérant. Voilà, c'est un masque Total Reaper, deux en un, je vous ai dit mes cheveux ils sont morts, donc je les ai coupés un petit peu, et là maintenant je vais essayer de les remettre en forme. Donc c'est un masque tout simple, et c'est hyper bon. Donc voilà. Ça doit fonctionner ça correctement. Donc voilà, c'est un petit masque comme ceci, il y a 300 ml dedans. J'ai repris deux paquets de croque-monsieur et les tranchettes d'Emmental. J'en ai repris deux paquets pour faire mes croque-monsieur, il y en a 10, donc ça fait 20, sachant qu'on est déjà 5 enfants et 2 adultes, donc ça part très vite. C'est des petites tranchettes comme ceci de la marque Pâturage, il y a 10 petites tranches dedans. J'ai repris ceci, les enfants avaient bien aimé aussi. Des petits cheese comme ceci, c'est des fromages qui s'effilochent, j'ai repris deux paquets. Voilà. Alors, ils expliquent un peu d'où ça vient, etc. Et c'est du fromage 40 et plus. Donc voilà, c'est Valentino qui aime bien ça. Il y en a 64 calories par petit stick et il y a 8 sticks. Donc ça fait 16 sticks. J'ai repris des petits chabriors comme ça. Ça ressemble un peu au BN, je pense. C'est un peu au style BN. Comme ceci. On a céala. Il y en a 16. C'est au blé complet. Sans arôme artificiel. C'est aux fraises. Donc voilà. C'est goût fraise. J'ai repris des petits comme ceci. Tableau d'honneur chocolat. Pocket. Il y en a 6. Voilà, alors ça fait beaucoup pour vous, mais il faut dire que c'est pour 15 jours, 3 semaines et qu'il y a 5 enfants. Donc autant vous dire, voilà, il y en a 6 là, c'est mort en un seul petit goûter, donc en un jour c'est mort. Donc le lendemain, vous devez donner autre chose. Donc ça va très vite, mais bon, on est nombreux. Voilà, donc ces petits chabriors là, ça a l'air trop bon. Ça a l'air d'être une marque un peu dupe Kinder, sur un petit peu en fait. J'ai repris deux paquets comme ceci de Philippe Tubes, de la marque Pâturage, donc c'est les dupes de Philippe Tubes. C'est 4 fraises, 4 framboises et 4 abricots. Donc voilà, j'en ai pris deux paquets pour mettre au frigo évidemment. Frigo qui se trouve derrière moi si jamais vous posez la question. Ensuite, j'ai repris un Tahiti Kouvani. C'est le même que tantôt au coco mais à la vanille. J'ai trouvé en Felice Azzurra un détergent dégraissant. Je vous dirai ce qu'il vaut. Composition chimique. Il y a moins de 5% de composition chimique. Agent de surface non ionique.
Voilà. Donc je vous dirai, all purpose, c'est pour toutes les surfaces. Donc moi je vais l'utiliser dans la cuisine, dans la salle de bain, sur le frigo, un peu partout. C'est de la marque Felice Azzurra. J'ai pris de la crème fluide, elle est moins chère, comme ceci, en gros berlingot. Donc voilà, et c'est de la 30%, comme ça vous savez la fouetter. Et il y a un lustre dedans. Donc voilà, avec un petit bouchon refermable. Moi je trouve ça plutôt chouette. J'ai repris des déodorants pour les deux garçons. J'ai pas trouvé, ils voulaient du scorpion comme leur papa, mais on n'en trouve pas en Belgique. Donc voilà, j'ai pris l'Apollo. Et c'est pour quand ils vont en gym, pour mes odeurs secs de gym. Et l'autre, c'est qu'on voit les odeurs et parfums, Skate and Roses. Donc voilà, j'ai repris deux comme ça pour mettre dans l'heure. J'ai repris un Axe Black pour Dimitri. Parce que comme je vous l'ai dit, s'il trouve pas le scorpion, il prend l'Axe Black. 250 ml. Donc voilà, tout simple. J'ai repris un rôti de jambon. Pays de naissance, Belgique. C'est une note d'ailleurs. Et il fait 1,2 kg pour 10 euros. Voilà, voilà. Alors, toujours un petit biscuit, puisque ben, comme j'ai beaucoup d'enfants et qu'il y a 15 jours de vacances, alors ils prennent déjà des collations comme ça, mais je me suis dit en vacances, c'est mort. Ils vont réclamer un petit peu plus. Hein, voilà. Donc c'est des tartelettes aux fraises, il y a 4 paquets de 2 tartelettes à chaque fois. Donc voilà, c'est de la marque Chabrior. Ensuite j'ai repris les fameux yogourts que les enfants adoraient, de la marque Pâturage, qui sont des yogourts sucrés au sucre de canne. Il y en a, je pense qu'il y a 16 yogourts dedans, 2 kilos de yogourt. Donc il doit y avoir 16 petits pots dedans. Et c'était pas comme ça pour les desserts, nickel. J'ai repris les onctueux, j'en avais pris 2 onctueux pour en avoir 16 aussi aux fruits. Donc voilà, 100 morceaux, il y a 1 kg à chaque fois. Et pour le goût, il y a pêche, mangue et abricot nectarine. Ils ont adoré ceux-là, donc nickel. Un deuxième petit pot de sauce béchamel, toute faite comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est la base. Un deuxième paquet de pâturage. Dimitri, je vous jure, il se nourrit parfois. Enfin, Dimitri, c'est grand barbus, maintenant, toujours, c'est la même personne. Il se nourrit parfois des choses bizarres. Mais c'est vrai que c'est très très bon quand. Mais bon. Au quotidien, comme ça, c'est un peu violent. Je me suis repris un smoothie fraise banane, mélange de jus, purée de 6 fruits, pasteurisé de la marque Paquito. Voilà. Et c'est. Hop, hop, hop. C'est il n'est pas mis la quantité à 75 cm. Donc voilà, il est assez épais. Donc voilà, je me suis repris ça. Toujours de la marque Azzurra, Felice Azzurra, j'ai pris Gold and Spicy. Donc voilà, je vous dirai ce qu'il vaut. Je ne l'ai pas encore testé celui-là, donc je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Et ensuite, après je vous montrerai les 3 choses qu'on a pris chez Lidl. La fin de ici, j'ai repris. Des oignons en poudre, je ne connaissais pas du tout. Enfin, je connais ça parce que moi j'ai utilisé le sel et le poivre de cette marque là, mais je ne savais pas qu'ils faisaient des oignons en poudre. Donc voilà, oignons en poudre. Voilà, ingrédients 100% oignon. Donc, c'est des oignons qui sont mis en poudre. J'ai repris de la cannelle parce que l'autre fois j'ai voulu faire des pommes cannelle, j'ai dû faire des pommes sucre vanillé pour les enfants parce que, enfin, même Dimitri, même ça, il n'y avait plus de cannelle. Donc, j'ai repris de la même marque de la cannelle. Et j'ai repris de l'ail. Je me dis que ces pots-là, c'est bien parce que, vous voyez, c'est comme ça. Et je me dis, c'est pas mal, c'est petit. Je mettais ça de long du truc et c'est nickel. Donc voilà, et alors, pour rectification, en pack d'eau, je vous ai dit qu'on avait pris 2, mais on a pris 4 petits packs d'eau cristalline. 4 petits packs d'eau cristalline. Donc voilà, et alors chez Lidl, on a pris un rack comme ceci de Pampers de la marque Loupilou. Donc c'est de 15 à... C'est plus de 15 kg. Mon fils fait, à mon avis, un peu moins de 15 kg, mais moi je prends toujours une taille supplémentaire parce que je trouve que ça protège mieux. C'est mon idée peut-être. Ici c'est la taille 6, il y a 30 petits Pampers dedans. Je crois que c'est 7 euros le paquet de petits Pampers comme ceci. Donc voilà, moi je leur prends ça depuis la naissance. On a repris... ça c'était chez Intermarché, j'ai oublié de vous le montrer. On a repris 3 pots de Nutella, c'était chez Intermarché. Et puis ensuite, chez Lidl, on a repris 3 pains. C'est du pain blanc tigré, 800 grammes. C'est le grand barbu qui préfère celui-là. Je vais chercher la suite. Hop, hop, hop.
Lidl, parce qu'on a fait Lidl pour les choses qu'on ne prend pas chez Intermarché. Comme par exemple ce choco-ci qu'on prend pour les enfants. C'est du choco au lait, ils adorent ça le matin sur leur tartine. Mais ils aiment bien la marque de chez Lidl. Il a pris deux fois de choco. Voilà. De choco comme ça, au couvercle jaune. Il a pris 1, 2, 3, 4, il a pris 5 pains. C'est pas 3, c'est 5. 5 pains. Comme ceci. Et deux paquets comme ceci de 4 lingettes XXL. Alors il faut savoir qu'elles sont en aloe vera, qu'il n'y a pas d'alcool dedans, et qu'elles sont dermatologiquement, donc il n'y a pas de truc dedans. Donc voilà. 8 paquets de lingettes. Et les pailles, donc voilà. Pris Lidl comme ceci, comme d'habitude, pour mon frère qui vient faire les travaux. Donc voilà. Il est bon, il paraît, et il est. Je crois qu'il est à 8 euros et le petit truc. Et chez Intermarché, j'ai pris deux petits, un jaune, un rose. Il est là. Un avec une rose jaune, un avec une rose rouge. Deux muguettes pour moi et pour ma maman. Voilà, donc on en a été à 187 euros de boissons. Tout ce que vous avez vu qui est liquide, boisson, lait, toutes les boissons, 187 euros. On a été à 80 euros chez Lidl, mais il faut décompter le vin. Donc 4, ça fait. On va décompter 40. On va décompter 40 euros de vin, qui ne sont pas pour nous. Donc voilà, pour le pain, le choco. Les pampers, les lingettes que vous venez de voir, c'était donc 40 euros. Et on en était à 467 euros pour tout le restant chez Intermarché. Donc voilà un petit peu. J'espère que ce retour de course vous a plu. J'espère que j'étais un peu plus lent, plus light, que j'étais plus posé, que j'ai pu vous expliquer plein de choses. Donc voilà. Donc maintenant je vais ranger. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, parce que là maintenant je vais lancer TikTok. Donc je vais essayer de vous mettre ici le nom de mon TikTok. N'hésitez pas donc à Instagram, TikTok. Pour les vieux de la vieille, il y a Facebook, même si je n'y vais pas spécialement, mais mes publications et mes stories Instagram sont reliées avec Facebook. Donc, si vous allez sur Facebook, vous y allez. Mais sinon c'est Instagram et maintenant je lance TikTok. N'hésitez pas non plus à vous abonner, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas non plus à aller voir mes autres vidéos qui sont des vlogs, etc. Et nous on se retrouve dimanche. Voilà, pour une nouvelle vidéo. Bisous !